Et nous sommes maintenant en communication avec un informaticien. Il se trouve dans la région, le sud de la République démocratique du Congo. Il a 37 ans. Il s'agit de Pierre Mvozolo-Foba. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Stéphane. Vous avez une question qui porte sur la géographie canadienne, en fait sur la géographie politique canadienne, et c'est sur une région de l'ouest du Canada qui borde l'océan Pacifique. Oui, moi, ma question avait porté, il y a dernièrement, j'avais lu sur les nets que l'on parlait de la région de Vancouver. Alors, on l'avait surnommée Vancouver. Voilà. On l'avait surnommée Vancouver. C'est comme Hong Kong, Vancouver, c'est ça? Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas un peu quand même la réponse à votre question? Bon, j'ai trouvé, on avait parlé de l'immigration asiatique, mais ce n'était pas approfondi. D'accord. Donc ça, c'est votre indice, et il est bon. La population chinoise au Canada est passée de 300 000 personnes en 1981 à plus d'un million à partir de 2001. Et une portion de cette population est allée s'établir sur la côte ouest canadienne, dans la région de Vancouver, pas nécessairement au centre-ville de Vancouver, mais à Vancouver comme tel et dans les banlieues aisées. Et il y a eu tellement, donc, une augmentation rapide de ces nouveaux arrivants qu'on est arrivé avec ce terme péjoratif. C'est négatif, hein? Parler de Vancouver comme étant Hong-couver, c'est un terme qui est sorti au début des années 90. On l'entendait beaucoup, ça circulait énormément. Aujourd'hui, un petit peu moins. C'est pas politiquement correct. Peut-être que ça marquait une frustration à l'époque où on sentait que la communauté asiatique, lorsqu'elle arrivait, elle ne s'intégrait pas, elle se regroupait, elle se retournait en noyau sur elle-même. Il y a eu beaucoup de frustration de la part des Blancs, qui étaient alors majoritaires sur cette portion du Canada. Bon, je voulais savoir, est-ce que c'est, disons, l'immigration chinoise? Elle est une immigration choisie ou elle est l'immigration préférée pour le Canada? Dès le départ, il y a 120 ans, 130 ans, on a pensé construire un chemin de fer au Canada, qu'on appelle le chemin de fer transcanadien, et on s'est tourné vers l'immigration asiatique pour pouvoir combler les besoins en personnel, qui était prêt à travailler des heures épouvantables, dans des conditions très difficiles, pas souvent respectueuses de l'être humain. Et après ça, le Canada s'est refermé complètement à l'immigration asiatique, comme le Canada s'est refermé à l'immigration, ne s'est pas ouvert, en fait, à l'immigration africaine. Entre 1920 et jusqu'en 1960, vous étiez africain, vous étiez noir, vous n'étiez pas vraiment le bienvenu au Canada. Donc, l'immigration aujourd'hui, pour répondre à votre question asiatique, elle est choisie. Quand il a été question du retour de la colonie de Hong Kong dans les mains des Chinois en 1997, lorsque l'entente coloniale a pris fin, eh bien, vous avez, dans les années précédentes, tout à fait au début des années 90, beaucoup de ces immigrants de Hong Kong qui ont dit « on va aller s'installer au Canada ». Pour y rester, on ne savait pas, mais au moins pour avoir une sécurité, avoir un passeport canadien au cas où les choses tournent mal dans une ville comme Hong Kong sous régime chinois. Mais les choses se sont bien passées depuis. On sait que Hong Kong a un statut spécial et plusieurs immigrants qui étaient venus au Canada sont maintenant retournés, mais plusieurs d'entre eux sont restés. Ce qui est important de savoir, c'est que la plupart d'entre eux ont conservé leur passeport canadien, n'ont pas voulu s'en départir, parce que c'est un atout. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer dans l'avenir. On a pour vous des extraits d'un reportage qui a été diffusé en 1996, alors que beaucoup de citoyens à Vancouver se plaignaient de cette arrivée massive de citoyens de Hong Kong avant la rétrocession de Hong Kong aux mains du gouvernement chinois. Alors, si vous voulez, Pierre, on va écouter ça ensemble. Ça va vous donner une idée des émotions qui traversaient cette ville à ce moment-là et qui, encore aujourd'hui, teintent un petit peu les conversations. D'accord? OK. Tous les jours, plus de 100 000 personnes regardent ce bulletin de nouvelles. Fairchild TV de Vancouver est une station bilingue, cantonais et mandarin. Attention, ce n'est pas un poste communautaire. C'est une station commerciale qui diffuse 20 heures par jour, qui emploie 90 personnes et qui rapporte de l'argent à ses propriétaires, des Chinois de Hong Kong. À
Les plus grandes compagnies font de la publicité sur les ondes de Fairchild TV. Les immigrants chinois sont plus à l'aise financièrement et dépensent plus. Banque Toronto Dominion, Sprint Canada, Mercedes, Cathay Pacific, toutes ces compagnies utilisent Fairchild TV pour rejoindre une clientèle de choix, les milliers de Chinois qui arrivent les poches pleines de dollars pour s'établir dans la grande région de Vancouver. Cette année seulement, 30 000 Chinois venant de Hong Kong et de Taïwan immigrent à Vancouver. Ils viennent s'ajouter aux 260 000 qui vivent déjà dans la région. L'année prochaine, ils seront de nouveau 30 000 à venir ici et l'année d'après, encore 30 000. Un bon contrat pour les deux parties donc, bien que l'intégration des nouveaux arrivés n'est pas si facile. Je crains que les gens restent chinois essentiellement parce que c'est très difficile de s'intégrer. On parle le cantonais tout le temps. Les gens chinois gâtent leur tradition, leur mode de penser. Et donc, il est très difficile de s'intégrer. Merci beaucoup de nous avoir posé cette question, Pierre, sur un phénomène de société dans l'Ouest du Canada. C'est moi qui vous remercie, M. Stéphane. Alors, c'était M. Pierre Mvozulo Foba qui se trouve en République démocratique du Congo.